Maître Fraise. Fraise, fraise comme une fraise. Je suis votre commis d'eau. Le avocat commis d'office. Alors, désolé pour le retard, Dimitri, j'entraîne les poussins de cognac, là, au badminton. Ils sont nuls cette année, bon Dieu, ils vont finir avocat, ceux-là. D'accord, par contre, moi, c'est Anthony, c'est marqué juste là. Oui, bah, il faut pas tout compliquer. Alors... Eh bien, bonjour, mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui jeudi 6 avril 2023. Je vais vous parler d'un film comique que j'ai vu hier soir, c'est Jumeaux, mais pas trop. Origine France, la durée, c'est 1h38, et les acteurs, c'est Ahmed Silla, Bertrand Huskla et Pauline Clément. Le genre, c'est comédie. La date de sortie, c'est 2022 plutôt. Maintenant, voici l'histoire. 33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l'existence l'un de l'autre. Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d'autant plus grande que l'un est blanc et l'autre noir. Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique survienne, mais leur couleur de peau est loin d'être la seule chose qui les différencie. En faisant connaissance, aucun des deux n'a l'impression d'avoir tiré le gros lot. Eh bien, mes amis, c'est une bonne surprise, jumeaux mais pas trop. C'est vraiment une comédie très intéressante, très amusante. Donc, je l'ai adoré, tout simplement. Je l'ai adoré, je l'ai kiffé. Donc, je vous invite, vous aussi, à voir Jumeaux mais pas trop, si vous en avez la possibilité, bien sûr. Donc, je répète, Jumeaux mais pas trop, il y aura l'affiche, évidemment. Il y aura toujours un extrait du film dans ma vidéo. Et voilà, donc, que dire de plus à la naissance, la mère les a abandonnés, mais je ne veux pas en dire trop non plus, mes amis. Donc, il y avait deux bébés, l'un était blanc, l'autre était noir. Donc, la mère a accouché donc deux bébés. Et ces deux bébés ont été élevés par d'autres familles. Et puis, finalement, à la faveur, en fait, d'un échantillon d'ADN, les deux frères qui s'ignorent, en fait, étaient tous les deux dans l'échantillon de la base de données de la police. Et donc, on les a confrontés, on les a amenés, donc on leur a demandé de venir au commissariat de police. Et c'est là que ils ont commencé à faire la connaissance l'un de l'autre. En fait, à ce moment-là, ils ignoraient encore en fait qu'ils étaient frères. Donc, on les a appelés tous les deux en même temps. On leur a dit que, voilà, vous avez un frère jumeau. Et c'est là le début de l'histoire, mes amis. L'un fait de la politique, l'un est blanc. Il est d'une famille plutôt riche, plutôt aisée. L'autre, il est noir et il a été élevé par des parents pauvres, on va dire. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui les opposent. L'un veut faire du... En fait, il essaie de gagner sa vie, plus ou moins. Il fait des réparations, enfin du dépannage. Et il essaie de gagner sa vie, plus ou moins. Des fois, il se fait virer de son boulot, de son travail. Et voilà, donc c'est deux personnages différents. L'un est aisé, l'un est riche et fait la politique, il est blanc. L'autre, il est noir, il fait des petits boulots. Et c'est pas top pour lui, c'est pas facile pour lui, mes amis. Et ils vont se rencontrer. Et puis, je vous laisse deviner la suite, mes amis. Donc, je vous invite à voir Jumeaux, mais pas trop. Effectivement, ils sont jumeaux. L'un est blanc, l'autre est noir. Il y a une chance sur 1000 pour que ça arrive, mais ça peut arriver, mes amis. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais ça peut arriver, effectivement, qu'une mère donne naissance à des jumeaux donc de couleurs différentes. Après, est-ce qu'ils sont du même père? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous invite vraiment à voir Jumeaux, mais pas trop. C'est une excellente comédie française en plus. Donc voilà, je valide à 200%. Donc Jumeaux, mais pas trop. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui et tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye, bye.